je vous préviens les gars, cette vidéo n'aura ni queue ni tête. Ah, l'autoroute, qu'est-ce que c'est monotone, frérot. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les gars. Tomahawk represent jusque dans le sud de la France, frérot. Ah, la patrouille. Ceci n'est pas un placement de produit, frérot. Nashville done got beat up, yeah. Talking shit on the roof, he got cracked. Left him on his back with his fucking feet up. We just bam. Mais le ticket. Puis sur la carte bleue. Et Jeannot, elle est où ma carte? Ça y est. Ah non, il met un billet. Et là c'est parti. Il peut démarrer, mais il démarre toujours pas. Il regarde qu'il a bien pris les pièces, sinon il reine va gueuler. Arrive en ville, les gens roulent à 50. Ils ont bien cru que c'était la bibi. Mais non, en fait t'es sur le périph, c'est limité à 90. Tout ce qu'elle a notre ici, turbo des noir. Petite Subaru Legacy Break. Envoie la sauce, frérot. Envoie la sauce. Tu nous empêches de doubler. Putain, la prise au vent qu'il doit avoir. Le camion de paille, frérot. Le camion de paille. Oh, Range Rover qui va doubler comme un seigneur. Enfin, Carcassonne, la cité maudite. On arrive. Et bien sûr, on est bloqué. Un camion qui essaie de doubler l'autre, c'est pas possible. Yo wow, I had to go back to get it from my papa. Alabama, Georgia, Tennessee, a recipe for disaster, put the beat up. Me and that Chevy's like pastors to Jesus. Hey stack, I'm that leader, we just. T'as faim? J'ai faim. On va se faire quoi? Un petit chinois? Un petit Walkland? Bon et voilà les gars, quand le temps joue contre toi, y'a rien à faire. Il fait un soleil radieux. Mais malheureusement, je sais pas si tu vas le voir, une pluie fine de merde m'empêche tout simplement de pouvoir continuer à peindre le piwi. Ras le cul de cette pluie. Oui, tu as remarqué, je suis affublé d'un nouvel artifice. Bon, on va pas te faire le unboxing, frérot, où je remets du scotch. T'as compris, quoi. Et voilà, bon, ce que j'ai reçu. Tac, tac, bam, bam. Des petites casquettes, frérot. Tomahawk Tuning. Voilà les gars, hein, plutôt satisfait. La broderie est nickel, y a rien à dire quoi. Ça respire vraiment la qualité. Hein. Je suis pas la pub, je suis pas payé pour faire la pub, vous inquiétez pas. Hein. Mais vraiment, quand quelque chose est propre, je dis ce que je pense et je le dis quoi. Donc la qualité est vraiment sympathique, hein, y a rien à dire. La broderie est parfaite. Alors le seul petit défaut que je lui donnerais en fait, c'est le repli en fait de la casquette a été fait sur le devant, ce qui laisse en fait, je sais pas, apparaître une sorte de petite corne de licorne, frérot. Tu vois la corne de licorne. C'est le seul défaut que je donnerais à la casquette. En fait, moi, ce que j'aurais fait, si c'est faisable ou pas, peut-être que c'était pas faisable. Hein, je peux pas vous dire. C'est pas moi qui l'ai produit. J'aurais fait ce repli là en fait. Je l'aurais fait sur l'arrière. Voilà. Alors pour la petite histoire, moi j'ai une tête, frérot. La même tête que Fat Man Scoop, poteau. C'est-à-dire une tête qui fait 90 cm de diamètre. Non, je plaisante, bien sûr. Mais ce que j'avais peur, c'est qu'elle soit pas réglable, en fait. Je pensais que c'était une taille unique, comme ils appellent. Parce que sur le site, en fait, c'est marqué taille unique. Ça peut être trompeur. Et souvent, vous savez, vous avez des snapbacks qui sont avec une sorte d'élastique, en fait, intégré à la casquette. Et qui fait que vous pouvez la mettre de telle taille à telle taille. Mais moi, sur ces snapbacks, je n'y rentre pas. J'ai la tête tellement grosse que c'est mort, tu vois. Pour dire que ceux-là sont parfaites en fait, ils ont vraiment toutes les tailles, tu vois. Moi je l'ai monté donc à 1, 2, 3 petits crans et tac, elle est posée frérot, elle est posée. Voilà, ça c'était le petit unboxing qui fait plaisir frérot. Maintenant je vais te montrer où j'en suis sur le PIWI 80. Alors, voilà où j'en suis. Donc, très simple,
J'ai démonté la fourche, donc j'ai fait revenir le chrome de la fourche, nickel, parce qu'elle était légèrement piquée, donc ça y a pas de problème. Ensuite, si vous aviez une idée, une solution, une technique, j'ai quelque chose en tête, mais on sait jamais, il y a peut-être parmi vous des pros restauration, quelqu'un qui pourrait m'aider, frérot. Donc pour essayer de rattraper, en fait, je sais pas si vous allez le voir. Allez, mise au point, saloperie. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais voilà quoi. C'est un petit peu fané quoi. J'ai pas envie de le repeindre. À la base je voulais le repeindre ça, mais j'ai vraiment pas envie de le repeindre, j'ai envie de le laisser un petit peu dans son jus, mais essayer de rattraper cette couche d'usure quoi. Alors si vous avez des techniques les gars, dites-le moi dans les commentaires tout simplement. Donc ensuite, voilà hein. Tout ce qui doit être peint en noir est apprêté. J'ai réussi à rattraper tout ce qui était. Tout ce qui était ressort de peau, ressort de frein arrière, la tige de frein arrière qui était bien rouillée, qui était dégueulasse quoi. Ah voilà, tu verras peut-être pas la vidéo, mais c'est propre, c'est revenu comme il se doit dans son jus. L'amortisseur, je l'ai rattrapé comme je pouvais, c'est pas mal. Ça donnera un assez bel effet. Donc voilà, le seul souci donc maintenant pour continuer à peindre, c'est ça quoi. C'est ce qui me fait chier, comme vous l'avez vu. Un coup il fait soleil, un coup il pleut. Sauf que moi j'ai une chance, mais alors une chance de merde, qui fait que quand je vais poser par exemple le cadre pour commencer à le peindre dehors, à tous les coups, quand je recommence à peindre, il va se mettre à pleuvoir. Donc, je suis obligé d'attendre, voilà, tout simplement. Donc la suite au prochain épisode les gars. La suite, très prochainement, donc je vais m'occuper de ce foutu bras oscillant. Voilà. Donc il va subir le même traitement, hein, ponçage, après fait un traitement anti-rouille, après puis peinture en gris, voilà. Donc les jantes qu'il va falloir restaurer tout simplement, pour que ça brille de mille feux. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser le téléphone et puis je vais commencer à déjanter tout ça quoi, tomber les pneus, etc. Donc les deux pneus sont HS, hein. Voilà, il n'y a pas de surprise, hein. Je préfère vous le dire. Hein. Les deux chambres à air aussi sont HS, donc aucune surprise, ça sera neuf, pas le choix. Et j'ai vu que les patins des tambours, les freins arrière sont encore nickel. Par contre, à l'avant, c'était quasiment la ferraille, donc il va falloir acheter du frein aussi. Bon, ça y est. J'ai enfin tombé le pneu avec cette foutue chambre à air. Bon, tout est mort, hein. Chambre à air, pneu, le fond de jante. Voici la petite FAQ. Donc, il n'y avait pas beaucoup de questions. Il y avait 5 questions, les gars. Donc, la première, c'est TuxTux qui l'a posté. Salut TuxTux, ça va, frérot? Alors, il me posait comme question: serais-tu chaud pour rénover un 500CR? Alors, je vais te répondre, mon cher TuxTux. J'ai déjà rénové un 500CR avec quelqu'un de ma famille. Je ne peux pas t'en dire plus, mais il y a déjà eu une restauration comme ça qui a été faite à neuf. Si je retrouve les images, je te les mets là ou là. Notre cher David Henry, frérot, qui a posé comme question: à quand la 103 moteur hybride? Alors, la 103 moteur hybride. Déjà pour commencer, il faudrait que je chope une 103. Ça devient assez difficile. Non, vraiment, alors, dans mon secteur, très difficile. Voilà. Il n'y a que des vogues. Que des vogues, anciennes ou récentes. Et moi, j'aimerais avoir, sous vos conseils, la plupart ont voté un 103 MVL. MVL, poto, MVL. Sinon, un moteur hybride, ça pourrait être un projet, mais d'abord, il faut choper la 103, frère. Ensuite, notre cher MXST qui a laissé un commentaire qui nous dit: quand est-ce que tu referas ton 60KX? Alors, je vais t'expliquer. Déjà, j'ai quelques machines, on va dire, cachées, quelques petits trucs, un petit peu planqués, frérot, mais qui sont pas ici encore. Tout simplement parce que j'ai pas encore fait mon garage. Voilà. Quand mon garage définitif sera terminé, je ramènerai notre projet en matière. Ensuite, notre cher Gaming Test qui nous pose: pour quand une sortie motocross avec le QR? Alors, sortie motocross avec le QR, je vais te dire ce qui m'empêche en ce moment d'utiliser le QR. Bon, mais déjà la pluie, le froid, ça donne pas envie, frérot, je vais pas te mentir. Mais surtout, en fait, ma fille tourne avec. Voilà.
Donc, c'est compliqué de lui récupérer cette moto. Elle commence à y être attachée. Et surtout, ça lui fait faire les devoirs. Je lui promets que dès que les devoirs sont terminés et bien faits, elle peut faire un tour de QR. Donc, tu comprends, c'est comment dire, la carotte, la pas du gain. Mais c'est clair et net qu'il y aura une partie 2 du QR. Je compte faire une vidéo en fait où je ferai, dès que le temps le permet, parce que vous avez compris que c'est pas l'idéal en ce moment, c'est l'hiver. C'est toujours comme ça. Cyclique, mon ami, cyclique. Et oui, non, je compte faire surtout des vidéos des vitesses max. Voilà, si ça vous intéresse, likez cette vidéo. Alors, notre cher le Zapper Gaming qui a posé deux questions, poto. Alors la première, tu habites dans quel village? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre précisément à cette question, mais on va dire que j'habite dans un rayon de 20 km autour de Carcassonne. Voilà. La deuxième question, à quand la partie 2 du QR? Eh bien, comme je l'ai dit un petit peu précédemment d'une question posée donc par notre Charlie Gaming Test, la partie 2, dès qu'il y aura surtout un moment de beau temps. Le souci, c'est que... Alors, j'aimerais vous faire de bonnes vidéos, en fait, quand je vais faire donc le test des machines. Sauf que il y a deux options, deux écoles, les gars. Soit je me mets la GoPro ici à l'ancienne, mais clairement, la qualité vidéo, du son, etc. ne sera pas bonne, ça sera merdique. Soit je suis obligé d'attendre qu'il fasse beau et qu'une personne... ultérieur, donc s'il se reconnaît, Lex Luthor vienne me filmer, tout simplement. Et là, ça donnera une vidéo un peu plus propre, on va dire. Bien sûr, vous êtes chez Mob 11, frérot, c'est pas la qualité de ouf. Nous ne sommes pas avec de gros objectifs montés sur. Non, déjà, j'ai acheté un petit stabilisateur pour essayer d'augmenter un petit peu la qualité, parce que bon, au début, t'es là, ça crame dans tous les sens. Et sur ce, les frérots, à la prochaine pour la partie 4 du Piwi. Salut! They get it, and it ain't goes. Always in the scene with the blood on my clothes. Then I go so cold to your hoe. Sorry if you didn't know.